Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Report. En dessous, c'est de tous abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et cliquez sur ça, cloche. Il y a une cloche juste à côté, s'abonner, cliquez là-dessus. Si vous voulez soutenir, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et si vous voulez faire le don, en dessous, c'est de toutes les informations qu'il vous faut. Mais le plus important, c'est de vraiment rester concentré sur cette vidéo et d'apprendre des vraies choses, des vrais trucs. Ah, mes frères et sœurs, des vraies choses. Il y a un clip qui est sorti récemment que moi-même j'ai vu, mes frères et sœurs. Je suis même dépassé, même étonné. J'ai envie d'en parler. Parce que ce que j'ai vu dans ce clip, je me demande si vraiment Dieu est toujours dans ce monde. Parce que waouh, c'est même tout grave. Et ce qui est sûr et qu'on va vous dire, c'est que le diable est vraiment présent et il travaille. Et nous avons envie de dénoncer ses œuvres. Et vous dire, mes frères et sœurs, que vraiment, c'est grave. Et le diable est en train de faire des choses même terribles. C'est comme s'il voyait que le temps de la fin était déjà venu. C'est comme s'il sentait que Jésus revenait. Donc il était donné de faire toutes les vilaines choses, les dernières vilaines choses qu'il a dans son sac afin de pervertir la jeunesse, pervertir le monde entier. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il a fait, mes frères et sœurs? Nous allons tout vous dire ici. Mâchons un peu. Waouh! Le diable existe. Le diable est réel. Il a des effets. Il a des manifestations. Et le diable travaille. Et le diable est réel. Il veut tout mettre en œuvre pour pousser les humains à l'adorer. Forcément. Le diable veut que vous lui appartenez dans toutes ses dimensions. Il veut que vous soyez à lui. Ah, sa propriété privée. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Yes! Mes frères et sœurs, soyez prudents. Ne tombez pas dans ces pièges. Il essaiera de vous séduire, mais soyez forts et soyez vraiment prudents. Vous voulez savoir pourquoi nous vous disons toutes ces choses? Hier, nous avons parlé d'un clip. Ou des clips. Un sorcier dans l'industrie de la musique. J'ai vu un sorcier dans l'industrie de la musique. Cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo, vous pouvez la regarder aussi. Mais quand on parle de la sorcellerie dans l'industrie de la musique, ça donne toutes les vilaines choses de la planète. Et ce que nous allons vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous n'allez pas croire vos yeux, quoi. Vous ne croirez pas. Si vous vous souvenez, nous avons fait aussi une vidéo qui parle des danses du diable. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est quand même cette vidéo peut nous tout nous dire. Qu'est-ce qui se passait dans cette vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette vidéo, nous avons vu que il y a des danses qui ont pour origine les danses traditionnelles. C'est-à-dire des danses qui venaient des adorations faites au diable ou encore à ses démons. Et dans cette danse-là, quand nous sommes allés plus loin, nous avons parlé de des danses comme le mapuka, qui est plus tard devenu ce qu'on appelle aujourd'hui, tenez-vous bien, le quoi? C'est devenu quoi aujourd'hui? Le mapuka là. C'est les danses où on remue les fesses. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Comment on l'appelle aujourd'hui? On l'appelle tout simplement le twerk pour ceux qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire que quand tu es en France ou aux États-Unis, là-bas, tu n'appelles pas le mapuka, tu appelles ça plutôt le twerk. Parce que c'est comme ça, ça se danse, c'est comme ça, ça s'appelle. Et c'est son nom. Et cette danse-là, cette petite danse, on n'a pas besoin de vous dire ça. C'est une mauvaise danse. C'est une danse impure. C'est-à-dire, il y a des danses qu'on représente sur la terre qui viennent directement du monde de Satan, du monde des démons. Mais nous vous parlons de quelque chose. Et ce qui est très, c'est que les gens se mettent à danser ça comme ça. Ah! Et quand tu les vois danser de la sorte, toi aussi tu n'es pas un fort, un gars du d'esprit. Vraiment, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ou qu'il a commencé à se mouvoir dans ton corps. Il vous parle de quelque chose. Il y a un gars qui regardait une fille en train de faire du twerk. Il était carrément sur son ordinateur et il faisait une vidéo réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend sa caméra, il positionne sa caméra là et il regarde les filles qui sont en train de remuer les hanches. Et il est là comme ça, il ouvre la bouche et puis il regarde. Quoi?
Il est même surpris. Il ne peut pas tenir sur sa chaise. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Mon frère. Une danse. La plupart du temps, on l'utilise pour montrer qu'on aime une musique, non? On l'utilise pour se manifester dans la musique. Et le twerk, là, c'est une danse qui ne vient pas du diable. Parce que ça fait partie du rituel. Tous ceux qui vont se mettre à danser ainsi, là, sachez que vous êtes en train de participer à des rituels. Hein. Moi, je préfère vous dire ça directement. Parce que cette danse, c'est une danse qui est utilisée pour adorer les démons. C'est la danse qu'on utilise pour réjouir les démons. Réjouir le cœur de Satan. Et tous ceux qui dansent de la sorte, là, ils sont tout simplement en train de lancer de mauvais sorts sur les gens. Ça fait toi, quand tu regardes la fille danser, le truc, la plupart du temps, ton regard est fixé vers quoi? Vers ses fesses. Et tu regardes ses fesses comme ça. Et tu commences à avoir de mauvaises pensées. C'est à ce moment-là qu'on va dire quoi? À ce moment-là, on va dire que, ah mon frère, tu es en train de pécher maintenant. Mais. Parce que tu la vois sur ton lit, ta main, ses fesses sont placées. Comment tu vas passer son pied? Comment tu vas passer ses fesses? Comment tu vas introduire quelque chose? Comment tu vas faire ça? Tu es en train de pécher comme ça. Et cette danse-là déjà t'amène déjà dans une autre dimension, dans un monde que tu ne maîtrises même pas. Et si nous vous parlons de ces choses, c'est parce que récemment, nous avons vu un clip qui est sorti il y a aujourd'hui 5 jours. Et ce clip-là, c'est même pas un clip de Dieu. Moi, je vous dis directement, même direct, c'est un clip de Satan. C'est le diable lui-même qui a inspiré les gens même à faire sortir même le clip à quoi. Et que tous ceux qui vont regarder là, ils soient tous en joie. Qu'ils soient mal à l'aise pour commencer, qu'ils soient mal à l'aise. Pourquoi? Parce que dans ce clip, on voit deux femmes. Elles ont des enfants, hein? Les femmes là. Ça veut dire qu'elles réfléchissent bien, elles sont pas anormales, elles sont, tout va bien dans la tête. On voit deux femmes, deux grandes femmes, elles ont l'air innocentes comme ça. Tu vois leur visage, bonjour, tu es jolie. Le diable utilise des femmes qui ont l'air innocentes là, pour venir faire de mauvaises choses, de vilaines choses comme ça. Oui, et les gens vont accepter cela. Comme elle est jolie là, elle est inoffensive. Elle ne peut faire du mal à une mouche. Non. Elle va utiliser de telles femmes comme ça avec des postérieurs hors du commun. Let's go. Des postérieurs modifiés par des chirurgies esthétiques pour venir danser des danses hyper sophistiquées pour venir séduire les gens. Et cette danse s'appelle le twerk. Ils ont fait sortir ce clip et ce clip s'appelle twerk, carrément. Ils ne sont même pas passés à gauche ni à droite. Ils ne perdent même pas le temps. Et le clip s'appelle twerk. Je twerk, tu twerk, il twerk, nous twerkons, vous twerkez, il ou elle twerk. Ça s'appelle twerk. Et ça se danse avec les fesses, c'est la danse des fesses. Vous voyez les femmes qui remuent les fesses là comme ça. Et les deux filles collent les fesses. Et on voit des actions qui nous rappellent quoi? Un homme et une femme en train de faire les choses. Et la mêlée, les gens dansent là. Tu sens que si toi tu danses cette danse là, que tu ne fais pas attention, tu risques de te fracturer, de te casser un bras ou même de te casser quoi que ce soit. Oui! Et il y a plein de personnes ici qui ne le savent même pas, qui ne savent pas qu'il y a des danses qui viennent directement du monde de Satan. Même il y a la danse des sorciers. Ça, c'est une danse qui vient directement de Satan. Pour vous savoir que si une danse vient du monde de Satan, il faut d'abord savoir dans quel genre musical cette danse est introduite. Est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est une musique qui vient de Dieu ou du diable? Si tu as remarqué que cette musique vient du diable, déjà commence à être vigilant. Ah! Et cette musique-là, c'est quand même une musique qui vient d'un autre monde. Et de la manière les gens dansent dans cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Même si toi tu vois ta fille danser ainsi là, toi-même tu vas te demander, mais si c'est toi-même qui l'a mise au monde. Ah! J'ai jamais vu tout pareil. Fallait voir les filles en train de remuer. Et il y a plusieurs, ils ont fait exprès même.
Bon, comme ce sont des femmes qui chantent, elles ont fait exprès pour choisir les filles femmes qui ont le plus grosses fesses de la planète pour les positionner dans les clips. Et dans les clips, hein, j'ai l'impression que ce sont les fesses seulement qui tournent de A à Z. C'est-à-dire que si toi tu te réveilles le matin à 6h et que tu as commencé à regarder le clip, hein, de 6h jusqu'à 24h, bon, jusqu'à midi ou bien jusqu'à 0h, toi tu vas te mettre à regarder les fesses des femmes seulement. Les fesses des femmes qui bougent, qui sont en train de tourner comme ça. Ça tourne et ça crie twerk, 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 twerk. What? Mes frères et sœurs, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Si toi tu es un vrai chrétien et tu aimes ça, mon frère, tu as un problème. Parce que tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'énerver ton Dieu. Tu es en train d'énerver ton Dieu. C'est ce que nous voulons te dire ce matin. Il faut sortir de là. Si tu es dans ces choses-là et tu te dis que tu es dans le monde, tu es dans la joie, que c'est la joie, c'est juste pour rigoler. Ha! Nous allons te dire que le diable est là. Et le diable n'a pas de temps à perdre. Il cherche ton âme. Et c'est son travail. Il a commencé ainsi. Parce que lui veut que tu meurs. Il veut que tu te lances à la perversité. Il veut pervertir la société. Il veut même plus même qu'on considère les femmes. Il veut que les femmes soient comme des objets sexuels. Ah, tu vois, la fille, elle est jolie comme ça. Elle est responsable. Mais le gars va voir la fille, elle ne va même plus la respecter parce que lui, il a l'habitude de voir les femmes qui montrent les fesses passer par là. Il ne saura même pas la respecter. Est-ce que toutes les femmes sont pareilles? Mais à cause de toutes ces histoires-là, on a tendance à mélanger les femmes en elles. Ah! Il n'y a plus de femmes vertueuses. Et c'est ce que le diable veut faire. Et la danse twerk, et les clips twerk, la musique, les gens dansent, ils remuent leurs fesses, ils font comme ça, ils font comme ceci. Les femmes là sont là comme ça. Et ce sont des gens connus, hein, qui font ça. Ou parce que c'est un hasard. C'est un type. Ces gens connus qui le font là. Ils le font parce que eux, ils veulent faire du business. C'est l'argent qu'ils cherchent. Et ils savent qu'au fur et à mesure que tu fais des choses bizarres comme ça, ça fait entrer. L'argent rentre. Donc, ils le font. Ça veut dire quoi? Eux, ils vont faire quoi? Pervertir la société. Ils vont veiller à ce que tout le monde devient bizarre ou encore se met. C'est-à-dire, ils veulent attirer la colère de Dieu sur nous. Donc, ils deviennent directement ennemis de Dieu. Là. Sans t'en rendre compte, de sorte que eux puissent profiter de cette belle position ou bien même te maudire encore pour que tu reçois même des démons même. What? Bon, tu as dit que c'est peut-être pas, tu as dit que c'est de la blague, mais ces choses sont réelles. Si vous êtes un sorcier et que vous êtes animé par l'esprit du mal, que feriez-vous? Tout ce que vous aurez à faire sur la terre, c'est les mauvaises choses. Aujourd'hui, nous vous disons au passage qu'il y a des sorciers qui sont dans l'industrie de la musique qui font des choses pareilles et qui veulent même prendre des danses qui sont dans le monde des ténèbres et les amener ici. Et cette danse-là, si tu danses cette danse toi-même, si toi-même tu te lèves comme ça et tu te mets tout simplement à danser de cette danse même qu'on appelle le mapuka ou bien le twerk, mon frère, nous allons te dire que tu seras en train de prendre part à des pratiques mystiques. tu as maintenant dit, ah, comment c'est possible? Ah, comment ça se fait? Mon frère, c'est ce qui se passe. Si tu te mets à danser cette danse, ce que nous sommes en train de te dire, si tu danses cette danse-là, nous allons te dire en même temps. Faut pas t'a dire qu'on t'a jamais dit. Si tu danses la danse qu'on appelle le twerk, il faut savoir que tu deviens, commence à être un sorcier. Parce que c'est la danse des sorciers. Fais attention. Fais attention, ma soeur. Toi, tu ne dois plus aimer de tes danses. Tu dois plutôt dire non, ce n'est pas bon. Parce que même la parole de Dieu, de ton Dieu que tu dis que tu aimes, là, qu'est-ce que le Dieu là, il dit? Il dit à ses enfants, ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises des ténèbres. Ne vous affectionnez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les.
condamner les. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut même les dénoncer. Mais toi, tu as carré comme ça, puis tu as la raison. Tu as dit, ah, la fille aussi haut. Il a fait ce regardez. Ah, oh, tu vas te mettre à parler. Ah, c'est comme ça. C'est comme si. C'est comme ceci. Mon frère, je te dis, ah, tu es en train de pécher. Et ton Dieu te dit ce matin que s'il y a bien une chose qui déteste même chez toi là même. C'est ça. Ce que tu es en train de faire là. Il n'apprécie pas ça. Il aimerait que tu changes ta voix. Il aimerait que tu changes tout ce que tu fais et que tu observes un bon comportement vis-à-vis de lui. Tu deviens un gars pur, une femme pure. Hmm? Là maintenant, on t'a tout dit. Il n'y a pas formé, tu ne t'as pas dit. Sors du monde et reviens à Dieu que tu recevras. Tu recevras, tu vas t'accepter comme tu es, tu te transformer si et seulement si tu le veux toi-même. Je ne vais pas vous faire de calvinisme, ça va être extraordinaire que tu obéisses, frère et soeur. Prenez soin de vous et waouh. On va vous pour la prochaine vidéo parce que nous sommes chauds ce matin. Prépare-vous que tu obéisses, frère et soeur. Prenez soin de vous. Waouh. Regardez comment les gens t'assument aujourd'hui. Moi, je me pose une question. Ah, comment quelqu'un peut remuer ses fesses comme ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas même? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Abonnez-vous.